Good morgen, allez Yiden, les sous aujourd'hui le Nishmat Richard Ron Ben Fortuné Mazal et Claude Israël Ben Fortuné Mazal. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Maserhat Shkalim, Perekret Mishnah Bet, Kola Kelim Animsaim, Birushalayim, Derech Rida, le Bet Advilat Mein, Derech Aliyah Théorim, Shelo Kederech Ridatan, Aliyatan, Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, Kulan Théorin, Chous Minasal, Vea Magrefa, Vea Meritza, Ameyuradim, Lagvaot. Je traduis directement en expliquant ensuite. On est toujours, bien sûr, dans le sujet de comment interpréter les situations de doute. Ça fait déjà maintenant deux prakim qu'on traîne ça dans différentes situations. On avait appris Rov et Karov, toutes sortes de considérations pour lorsqu'on a une situation qu'on ne sait pas quel est le statut des choses, pur, impur, permis, assourd, à qui ça appartient. Donc on a des règles dans la Torah, comment est-ce qu'on fixe. Vous avez sûrement entendu parler de Rov, de Chazaka, de Karov. Et là, maintenant, on a un nouveau sujet qui me dit que tout ustensile que l'on trouve dans Yerushalayim, sur le chemin qui mène à la descente pour aller se tremper au Mikvé, alors, ou pour aller tremper les choses au Mikvé plutôt, tmeim, alors on va supposer que l'objet il est impur. Tandis que si on est derer aliyah, si on se retrouve sur le chemin qu'on utilise pour remonter, alors Tehorin, là on supposera que dans le doute qu'il est pur. Pourquoi? Shelo kederech iridatan aliyatan, car le chemin par lequel on descend n'est pas le même par lequel on monte. Divrei Rabbi Meir, tel est l'avis de Rabbi Meir. En fait, Rabbi Meir nous dit une chose de très simple. Il me dit, écoute, lorsqu'on trempait les objets au Mikvé, les objets ou les gens au Mikvé, c'est la même chose. Il faut savoir, il y avait un chemin pour descendre et un chemin pour remonter. Pourquoi? Très simple. Parce que sinon, celui qui va descendre, quand il va monter, il va rencontrer quelqu'un qui ne sait pas comment migrer. Si jamais il le touche, il va le rendre impur, selon le niveau d'impureté de la personne, peu importe. Mais en tout cas, pour éviter ce type de situation, donc il y avait un chemin par lequel on descend, et puis on remontait par un autre chemin. Et Mme Michel nous dit, ben, tu sais, si tu trouves un objet, une petite cuillère au migré, tu veux savoir est-ce qu'elle a été trempée ou pas trempée. Peut-être que si elle est venue au mikvé, il y a de quoi supposer qu'elle était impure et qu'on a voulu la purifier. La question c'est, on ne sait pas maintenant, est-ce qu'elle est tombée avant d'être trempée ou après s'être trempée? Est-ce qu'il faut la retremper dans le dos? Si tu la trouves derrière Hérida, sur le chemin qui te mène vers la descente au mikvé, alors on va supposer qu'elle est tombée de quelqu'un qui était venu la tremper, et qui est tombée donc avant de la tremper justement. Et si tu la trouves dans le derrière Hérida, dans le derrière Aliyah, sur le chemin qui remonte du mikvé, c'est pur. D'accord? Yerushalayim, le fait qu'on a mentionné que c'était Yerushalayim pour le moment n'a aucune incidence pour le moment, c'est plus pour la suite de la Mishnah qu'on rapporte. Comme me le dit Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Kulan Théorim, tous les objets que tu trouves, à la descente du Mikvé comme à la remontée du Mikvé à Yerushalayim, alors Théorim, Kulan Théorim, ils sont tous purs. On va, dans le doute, on va supposer qu'ils sont tous purs. Pourquoi? À une exception, une triple exception. Sauf trois ustensiles qui sont spécifiques pour les fossoyeurs, je crois qu'on dit, ceux qui creusent, qui déterrent, qui enterrent les morts, ou leur ustensile, on va supposer que dans le doute ils sont impurs, qu'ils n'ont pas été purifiés, en l'occurrence sale, je ne sais pas qu'ils sont faits avec un sale, avec un panier. Magrefa, c'est, il nous rapporte le Barthénora, c'est que lorsqu'on veut ramasser les os, on les ramasse avec une sorte de fourche. Et à Meritza, alors là, c'est, j'ai du mal à imaginer la scène, quoi, mais on casse les os pour les mettre dans une boîte, je sais pas exactement. Je connais pas la chôte, en fait, dans notre époque, on fait très attention avec tous les ossements, très bien les conserver, à ne pas les casser. Là, apparemment, dans le Mishnah, je sais pas. Donc, voilà, selon Rabbi Yossi, maintenant on va expliquer un petit peu mieux Rabbi Yossi. Bon, Rabbi Yossi me dit, un objet qui est, dans le doute, tu supposes que c'est un objet qui est foncièrement impur, parce qu'il est fait pour être en contact complètement, constamment avec les choses impures. Alors lui, dans le doute, on va soupçonner qu'il est impur. On va supposer qu'il est impur. Tandis que n'importe quel autre objet, Yerushalayim spécifiquement, j'insiste, c'est une kula que Chachamim ont fait, dans la mesure où tu ne sais pas. Et que les objets, dans le doute, c'est une règle, c'est une approche que, par rapport aux lois d'impureté, impureté, dans le doute, tu supposes qu'ils sont purs, au moins lorsque tu les trouves, Birchut Arabim, ce sont des règles de loi de pureté, d'impureté. Dans tout ce que ça fait que tu m'as Birchut Arabim, Tahor. Donc là, maintenant, dans le doute, tu ne sais pas s'il est pur ou s'il est impur. Rabbi aussi me dit, Yerushalayim, on va ce que t'as dit Rabbi Meir pour la descente du Mikvé et la remontée, c'est vrai pour toutes les autres villes d'Israël. Mais pour Yerushalayim spécialement, on a un intérêt à ne pas stam décréter des impuretés
un peu pour rien, c'est des impuretés pas sûres, parce que sinon on va se retrouver à Yerushalayim en train d'invalider toutes sortes de kochim, et on n'a pas envie d'entrer dans cette situation. Donc du coup à Yerushalayim, on laisse les choses selon leur état strict. L'état strict, il me dit que dans le doute, eh ben, dans le Shutarabim, tu vas supposer que l'objet il est resté pur, il n'a pas été impurifié, même si tu es dans la descente du Mikvé, parce que c'est pas forcément, c'est pas une supposition assez forte que c'est forcément tombé de quelqu'un qui était en train de descendre pour aller le tremper. Peut-être que c'est quelqu'un qui le transportait dans son sac pour aller tremper autre chose, mais pas cette cuillère. Donc, en doute, tu ne peux pas supposer qu'elle était forcément impure. Et, comme on a dit, à Yerushalayim, donc on va la laisser, dans le doute, on va supposer qu'elle est en réalité pure. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tuv Sela.